Ce dimanche 26 mai 2024, Sylvie Tellier a longuement échangé avec Audrey Crespo Mara dans 7 à 8. L'ancienne Miss France s'est souvenue de la rivalité qu'elle avait avec Élodie Gossuin, qu'elle avait remplacée en tant que Miss France. Ce dimanche 26 mai 2024, Sylvie Tellier était l'invitée exceptionnelle de 7 à 8. En effet, l'ancienne Miss France a fait l'objet du célèbre portrait de l'émission. Il était bien évidemment longuement question de son sacre à l'élection Miss France le 8 décembre 2001, à Mulhouse. Elle succédait alors à Élodie Gossuin. Le soir même de son sacre, Sylvie Tellier se rend compte qu'elle n'était pas la favorite de Geneviève de Fontenay qui ne célèbre pas cette victoire, c'est glacial, alors que l'on ne se connaît pas. Et il y a cette chaise qui nous sépare, et j'ai envie de lui dire, « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» se demande-t-elle. Fort heureusement, sa mère, de laquelle elle est très proche, est là pour partager cette victoire. Je dis à maman « Regarde ce qu'on a fait toutes les deux, regarde ce que j'ai fait grâce à toi », s'est-elle souvenue en se remémorant le moment où elle est tombée dans les bras de sa mère. Puis, lors de cet entretien, Sylvie Tellier s'est souvenue de ses relations tendues avec Élodie Gossuin. Je suis obligée de prendre le RER tous les matins, c'était une guéguerre de filles préférées puisqu'Élodie Gossuin venait d'être élue Miss France puis Miss Europe quand moi je suis élue Miss France et je pense qu'Élodie représentait pour Geneviève la fille idéale. Elle était grande, belle, souriante, elle est sympa. Et moi, j'avais un peu plus de caractère, un caractère plus différent, lâche celle qui se considère comme moins malléable qu'Élodie Gossuin. Et un sujet va ajouter un peu de tension entre les deux femmes, le fait qu'Élodie Gossuin a gardé l'appartement de fonction des Miss car elle venait d'être élue Miss Europe. Je suis obligé d'aller vivre chez mon oncle et ma tante et de prendre le RER tous les matins pour venir au comité Miss France, c'est assez difficile. Un sacré calvaire pour une Miss.